Donc je me présente, je suis Maxime Pelka. Enfin, je suis responsable de l'axe IA et système embarqué du GDR SOC 2 avec Gilles Sassatelli, ici présent. Et donc à l'initiative de Jordan Laurendel, nous avons lancé cette journée, ici présent également. Nous avons lancé cette journée sur l'IA à l'edge et l'IA dans l'Internet des objets, avec pour idée d'avoir des points de vue à la fois industriels et académiques, et puis de parler de l'évolution à la fois des algorithmes et des technologies du domaine. Et donc j'aimerais remercier nos intervenants aujourd'hui, qui sont Ludovic Bacard et Arnaud Lacarrière donc de Xilinx, Sylvain Saigui de l'IMS et Michael Dardaillon de l'IETR. En profiter aussi pour faire un petit appel à proposition de journée. Donc, le GDR, il est là pour que l'on discute le plus possible entre nous sur les sujets qui nous intéressent. Et donc, si vous souhaitez organiser une journée thématique ou même proposer un thème et quelques intervenants potentiels, n'hésitez pas à faire appel à nous. Donc, on pourra monter ensemble des journées comme on l'a fait sur celle-ci. Donc, soit des webinaires, soit aussi des journées thématiques. Puisqu'on va être, je croise les doigts, plus amenés à nous voir en vrai dans les mois qui viennent. Et donc aujourd'hui, nous avons trois présentations d'une trentaine de minutes chacune. Et ce que je vous propose, c'est qu'on garde les questions pour la fin, pour que tous les orateurs puissent échanger sur les questions qui seront posées. Donc la première présentation sera celle de Arnaud Lacarrière et Ludovic Bacard. Donc si vous voulez partager votre écran, Okay. on peut démarrer. C'est parfait. C'est parfait. Comme vous voulez. Très bien. Bah, écoutez, donc, merci Monsieur Pelka déjà pour cette opportunité de pouvoir introduire nos solutions autour du sujet machine learning. Donc, en une demi-heure, je vais essayer de vous présenter le maximum de choses et vous faire comprendre un petit peu quelle est la direction que prend Xilinx AMD aujourd'hui autour de ces solutions. Alors, déjà pour fixer le débat, quand on parle de machine learning, il y a deux étapes importantes qui sont la phase d'entraînement, le training, et la phase d'inférence, donc le déploiement sur cible finale. Alors là où joue Xilinx AMD, c'est principalement l'inférence. On n'est pas du tout on n'est pas du tout dans l'étape de training. Donc l'étape de training, pour la faire, hein, ça nécessite beaucoup, beaucoup de calculs assez intensifs qui peuvent prendre plusieurs heures, jours, semaines, mois. Des calculs qui seront en flottant principalement, donc généralement sur des plateformes PC, GPU, GPGPU. Donc là, on laisse ça à nos collègues concurrents. Nous, ce qui nous intéresse principalement dans le cadre de cette présentation, c'est vraiment l'inférence des réseaux neurones, le déploiement des réseaux neurones sur cible finale. Alors, on a différents types de plateformes chez Xilinx. Une des plateformes privilégiées pour les applications embarquées, ce sont on va dire nos FPGA SoC. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ce sont des solutions qui intègrent un processing system qui est assez complet, hein. Généralement donc à base de Cortex ARM. Donc, par exemple ici, ce que vous voyez, c'est l'illustration d'un Zynq UltraScale Plus, doté d'un quad-core à 53, d'un dual R5 et de son écosystème, interface mémoire externe, GPU, périphérique, basse et haute vitesse, etc., etc. Et la force de cette solution, c'est que ce processing system est intimement couplé avec la logique programmable, donc le FPGA. Le FPGA étant une solution très utilisée aujourd'hui pour implémenter de la logique custom. Donc c'est du hardware programmable. Quand on parle de hardware programmable, quasiment tout est programmable dans un FPGA.
C'est-à-dire que la définition du pin-out est programmable, le type des I/O standards est programmable, le contenu est programmable. Donc, c'est vraiment une solution toute programmable qui intègre, bien sûr, dans certains des cas, des hard IP également pour adresser certaines problématiques de certains marchés. Donc, ça peut être des vidéos codecs en dur, des hard IP PCI Express, des stacks Ethernet, etc. Et comme je disais, la force de cette solution, c'est que vous avez le monde software d'un côté avec un écosystème ARM et de l'autre du hardware programmable custom. Et les deux sont intimement couplés puisque, grosso modo, ces flèches symbolisent tout simplement des bus AXI, des bridges AXI. Et donc, les deux peuvent se causer directement par le biais des switches interconnect du système processeur. Donc, les deux sont intimement liés et on s'échange les données directement par des bus adresse data. Concrètement. Donc, on n'a pas besoin de passer par des stacks, des protocoles, etc. pour communiquer entre les deux mondes. On se cause directement via les bus internes des systèmes processeurs. Et donc, on a différents types de plateformes. On a commencé avec le Zynq 7000 en technologie 28 nanomètres. Ensuite, on a une deuxième génération de ce type de plateforme, le Zynq UltraScale Plus NP-SOC sur le 16 nanomètres. Notre dernière génération aujourd'hui, elle s'appelle Versal et est basée sur la technologie TSMC en 7 nanomètres avec un dual cortex A72 et toujours avec un dual cortex R5. Et donc, comme vous allez le constater, nos solutions DNN-CNN s'appuient sur ces types de plateformes, à la fois côté processing system et côté logique programmable, PL. On a d'autres types de plateformes qui sont également ciblées par ce type de solution. Alors là, on n'est plus dans les applications dites embarquées, mais on est plus dans le monde de l'accélération, donc les serveurs privés, les clouds, etc. Donc, Xilinx a également développé une autre gamme de produits, toujours à base de nos composants. Donc, ce sont des cartes PCI Express pour faire de l'accélération. Cette gamme de famille, cette famille de produits s'appelle Alveo. Donc, on a différentes gammes de produits pour adresser donc des différentes problématiques. Et on a également développé des solutions machine learning pour ces types de produits. La dernière chose que je voulais signaler également en préambule de cette présentation, c'est depuis l'année dernière, Xilinx a annoncé, on va dire, une troisième gamme de produits qui sont ces SOM modules, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est ces modules qui intègrent un composant donc Xilinx, donc toujours un NP-SOC, avec donc tous les composants dont vous pouvez avoir besoin pour le faire fonctionner, pour le démarrer, ces flashs, ces RAM, etc. Enfin, c'est les régulateurs de tension, etc. Donc vous avez un module qui est somme toute autonome et qui donc a pour vocation d'être donc connecté à une carte mère. Donc on met aussi à disposition donc un starter kit qui s'appelle le KV260. Sur lequel vient se greffer ce module SOM. Et donc, l'idée, c'est que donc, grâce à ce starter kit, les gens peuvent très, très facilement prototyper et donc développer leur propre solution. Et pour nous, c'est une autre manière de voir les choses, puisque jusqu'à présent, notre vocation, c'était de fournir du composant, concrètement, hein, donc un composant vierge sur lequel les gens viennent donc ajouter leur propre code, que ce soit à côté PS, Process System ou PL. Et donc là, l'idée, c'est autour de ces sommes, c'est de fournir également des images prêtes à l'emploi, si vous voulez, des BSP, ainsi qu'une couche applicative, pour que les gens puissent déployer très rapidement nos solutions sans avoir à développer quoi que ce soit dans un premier temps, et de se servir de ces références design comme base de travail si le besoin était de customiser un peu les références design qui sont déjà disponibles. Et donc l'idée, en effet, c'est pour nous de fournir des images complètes, prêtes à l'emploi, customisables, que le client va pouvoir charger sur la carte SD et tester très rapidement.
Donc, grâce à ces produits, notre idée est également d'adresser un plus large public, puisque en effet, le monde FPGA, c'est un monde qui est quand même assez particulier, qui demande des compétences particulières. C'est pas du logiciel concrètement, hein, même si on développe du code, mais c'est du code qui est vraiment un peu spécial, donc pour le développement RTL. Ça demande des compétences particulières. Et donc, l'idée, c'est en fournissant déjà une base assez solide, prête à l'emploi, ça nous permet d'adresser à d'autres types d'ingénieurs et des applications, on va dire, beaucoup plus complexes. En plus des différentes plateformes que je vous ai présentées, Xilinx a travaillé ces dernières années sur une unification des flots de développement pour adresser ces différentes plateformes, que ce soit du Edge ou du Cloud. Et donc, on a introduit une nouvelle gamme de produits qui s'appelle Vitis, qui donc permet d'adresser ces différentes plateformes de manière relativement transparente. Et à plus haut niveau, ça nous a permis également de développer des librairies prêtes à l'emploi, donc des librairies de fonctions déjà accélérées, optimisées pour être déployées sur ces différentes plateformes. Et donc, j'en viens en effet à un des volets de ce projet Vitis, qu'on appelle Vitis AI, qui s'appuie sur cette infrastructure que vous voyez ici pour adresser les différentes plateformes. Et donc, notre outil Vitis AI, c'est notre outil qui va vous permettre de déployer vos solutions machine learning, vos réseaux de neurones sur nos plateformes. Alors, un mot très rapide sur les différentes librairies que vous pouvez trouver dès à présent chez nous pour accélérer diverses fonctions. Donc, on va retrouver des fonctions, bien sûr, pour le traitement d'images, mais aussi pour adresser donc des domaines beaucoup plus spécifiques comme la finance, la data analytics, etc. Vous trouvez donc après des librairies tout à fait classiques pour le traitement de signal, pour faire du calcul algébrique matriciel, etc. etc. Donc l'idée en fait que j'essaie de vous faire passer, c'est que, étant donné qu'on est sur une plateforme qui est entièrement programmable, que ce soit logiciel ou matériel, l'idée, c'est de voir les choses un peu différemment et un peu de la manière dont on le perçoit dans un monde FPGA traditionnel. C'est-à-dire que dans le FPGA, non seulement on va accélérer bien sûr la partie machine learning, réseau neurone, mais l'idée, c'est que dans le FPGA, on peut aussi accélérer les phases de pré-traitement et de post-traitement pour essayer de soulager au maximum le processeur. Donc, on peut très bien imaginer un datapass de ce type où la vidéo rentre du côté de la programmable logic, elle est pré-traitée, mise en forme pour être ensuite traitée par votre réseau de neurones. Donc, l'idée, c'est que non seulement on peut accélérer le réseau de neurones, mais aussi les autres fonctions annexes que vous pourriez avoir besoin en amont ou en aval de votre réseau de neurones. Alors, pour rentrer maintenant dans le vif du sujet, après cette introduction rapide de nos solutions, pour développer donc du réseau de neurones sur nos plateformes, on a besoin de différents éléments. Un outil de déploiement de réseau de neurones qui est Vitis AI et la solution matérielle. Alors, cet outil, cet environnement de développement Vitis AI, en fait, très simplement, va venir se greffer, s'appuyer sur les frameworks existants. D'accord? Donc, en fait, les gens qui vont développer finalement du réseau de neurones chez nous ne sont pas perdus, puisque finalement, on vient s'intégrer dans les réseaux de neurones actuels, que ce soit Caffe, PyTorch, TensorFlow, sachant que l'on voit aujourd'hui que la tendance est plutôt TensorFlow, PyTorch que Caffe. Et on a également un autre point d'entrée grâce à l'interface d'extension TVM qui nous permet donc d'accéder à d'autres types de standards, je pense en particulier à Keras et ONNX. Et donc, de manière très simple, hein, de manière encore une fois unifiée, on va pouvoir venir cibler différents types de plateformes, hein, que ce soit de la carte accélératrice PCI Express ou de la plateforme embarquée type Zinc Ultra Scale Plus, MPSoC.
Juste pour faire une petite remarque à ce sujet-là, c'est que la différence majeure entre ce monde de quatre accélératrices et solutions embarquées se fait au niveau du host, en fait. C'est-à-dire que dans les deux cas, vous avez besoin d'un maître qui va donner les commandes. Et dans le cas donc d'une carte accélératrice PCI Express, ben, le maître, c'est votre PC, c'est votre processeur x86. Et dans le cas de la solution embarquée, le host, c'est bien sûr le processeur ARM. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir développer de manière quasiment indifférenciée que l'on cible une carte LVO ou que l'on cible un MPSoC concrètement. Donc, on a déjà parlé des outils de développement. On a parlé des solutions matérielles auxquelles vous avez accès. Il nous manque la dernière solution dont on a besoin pour faire du déploiement de réseaux neurones sur nos architectures, c'est l'IP DPU. Donc DPU voulant dire Deep Learning Processing Unit. Vous pouvez voir ça comme un coprocesseur, comme un accélérateur qui va en réalité être implémenté dans la zone Programmable Logic et piloté bien sûr par le host, donc comme je viens de l'indiquer, que ce soit le processing system ARM ou le x86. Okay. Alors on a différents types de DPU en fonction de la cible. Donc on a des DPU pour cibler nos Zinc, Zinc UltraScale Plus et Versal. Et on a d'autres types de DPU pour adresser donc le monde de l'accélération pour nos cartes LVO. D'accord. Et sur ces, alors principalement les réseaux de neurones que l'on cible pour l'embarquer sont de type convolutif. Hein, donc je parle vraiment plutôt de CNN, DNN. Dans le monde du cloud, on trouve un peu plus de choses. On retrouve donc des réseaux convolutifs et aussi des réseaux récurrents, ici RNN. Alors, pour vous imaginer un petit peu les choses, voilà comment ça se passe. C'est-à-dire que nos clients, pour déployer ces solutions, principalement, comme je l'ai dit, vont avoir besoin de l'IP DPU, donc, ce qu'on appelle une soft IP, puisqu'elle va être implémentée dans la zone Programmable Logic. Elle va venir s'interfacer via les bus AXI avec le système processeur. Et on va voir le host qui va donner donc les ordres, sachant que la majorité du traitement est complètement offloadé dans la partie DPU. Le processeur ne fait finalement que donner des ordres, c'est-à-dire quel type de réseau neurone on veut exécuter, on veut charger dans le DPU, où se trouvent les données et où il faut ranger les résultats, grosso modo. Donc, pendant ce temps-là, le processeur n'a pas grand-chose à faire, toutes les tâches sont déportées dans le coprocesseur DPU. Voilà. La solution est assez souple dans le sens où en fait on supporte différents types d'utilisation de nos IP DPU sur cible MPSoC par exemple. On peut très bien utiliser en effet notre DPU avec un seul réseau. Mais on peut aussi multiplexer les réseaux dans le temps, c'est-à-dire qu'on peut changer à la volée le réseau à exécuter sur l'IP DPU. Alors bien sûr, il y a un petit overhead puisque il va falloir donc recharger un nouveau réseau pour faire un nouveau calcul, donc ça prend un petit peu de temps, mais c'est tout à fait envisageable de multiplexer un même DPU pour différentes tâches dans le temps. On peut aussi instancier plusieurs instances de DPU, donc jusqu'à 4, leur faire exécuter le même réseau ou bien sûr des réseaux différents. Et ça, c'est un petit peu la force, la flexibilité qui est offerte par le monde FPGA. C'est-à-dire qu'on a la possibilité donc de customiser en quelque sorte notre coprocesseur DPU puisqu'on est sur une plateforme programmable matérielle. Donc l'IP elle-même est configurable. C'est-à-dire que l'idée est d'utiliser plus ou moins de ressources du composant pour s'ajuster au mieux aux besoins que vous avez à faire. Comme vous savez peut-être, finalement, nos solutions se distinguent en fonction des ressources disponibles dans le composant. C'est-à-dire que vous allez trouver
dans la gamme MPSOC plusieurs composants de tailles différentes, de densités différentes. Tous ces composants disposent du même système processeur, mais ce qui les différencie concrètement, c'est la quantité de ressources logiques que vous pouvez trouver dans la zone programmable logic. D'accord, donc, en fonction des ressources matérielles disponibles, on va être en mesure d'instancier des réseaux plus ou moins grands, finalement, donc des DPU plus ou moins imposants. Et on peut, si vraiment vous avez affaire à un gros FPGA, vous pouvez aller même instancier plusieurs instances donc, de ces mêmes IP. Donc, l'idée, c'est d'apporter de la flexibilité, la scalabilité en fonction du besoin, tout en ayant finalement affaire à la même plateforme de développement, le même environnement. En termes de flow de conception, c'est relativement simple. On a un flow qui n'est pas du tout exotique, hein, que vous pourrez retrouver, on va dire, chez différents concurrents. Hein. Donc, l'idée, comme je vous le disais, c'était de repartir du résultat de l'étape de training de votre réseau de neurones qui a été réalisé dans le framework de votre choix. Et donc, on va partir de ce résultat-là, et c'est ce résultat qu'on va injecter dans le flow de développement BTCI. Et donc, ce flow se décompose en différentes étapes. Il y a une première étape optionnelle qui consiste à optimiser votre réseau de neurones, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle du pruning. J'y reviendrai dans quelques instants. La deuxième étape, qui elle est bien sûr obligatoire, c'est ici de passer à des coefficients et des biais quantifiés, c'est-à-dire que ce que je ne vous ai pas indiqué, c'est que notre DPU aujourd'hui supporte principalement le format entier 8 bits. Donc, comme habituellement, le training est fait sur des formats flottants, là, donc il y a une étape qui consiste à quantifier, à passer du standard flottant au standard entier 8 bits. Ce travail est fait automatiquement par cet outil de quantification. Alors, il peut être fait de manière statique ou de manière dynamique, c'est-à-dire vous pouvez réinjecter donc un sous-ensemble de vos images de travail, finalement, pour pouvoir mesurer l'impact de la quantification et que l'outil essaye de minimiser les pertes de précision de votre réseau de neurones suite à cette quantification. Et pour finir, on a l'étape de compilation, puisque le but, c'est de générer une sorte de pseudo-exécutable qui va être exécuté dynamiquement par l'IP-DPU. Donc, la sortie de la compilation de cette chaîne de développement BTCI prend la forme d'un fichier ELF, d'un fichier exécutable, et c'est ce fichier exécutable qui va être chargé par le processeur dans le DPU. Un petit mot sur l'outil d'optimisation dont j'ai parlé très rapidement. Alors ça, c'est un outil qui peut être très intéressant en fonction de la nature du réseau de neurones auquel vous avez affaire. Alors, donc ça, la phase de pruning fonctionne principalement pour des réseaux qui, finalement, présentent de la redondance. Hein. Si vous avez des réseaux qui sont déjà très, très optimisés, très, très petits, il y aura moins de gras, finalement, à trouver et à supprimer. Donc là, ici, c'est un exemple qui est basé sur un réseau de neurones SSD. Et donc, ce que vous voyez ici en bleu, c'est le nombre de gigaops requis pour traiter votre réseau de neurones. Et l'idée, c'est finalement de supprimer ce qui ne sert pas trop, on va dire, tout en ne dégradant pas trop les performances, donc la précision de votre estimateur. Et donc, ça se fait en plusieurs étapes. Donc, l'outil va avoir besoin, cette fois-ci, donc, de patterns pour pouvoir comprendre ce qui se passe dynamiquement dans le réseau de neurones et voir à peu près ce qui peut être supprimé sans causer trop de dégâts à la précision. Donc, généralement, quand on coupe des branches dans le réseau de neurones, quoi qu'il arrive, il y a une perte de précision qui s'ensuit par une phase de retraining pour récupérer la précision qu'on a perdue. Et on va itérer comme ça un certain nombre de fois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus grand-chose à gratter. Donc, vous voyez qu'au début, on partait de 117 gigaops et on finit ici à 11,6 gigaops par tram. Donc, on a réussi à réduire considérablement le besoin en calcul pour ce réseau de neurones.
tout en préservant ici, là, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être l'estimateur, là, ça doit être du mean average precision, donc du MAP. Donc ici, vous voyez que grâce aux phases de retraining et les différentes étapes d'itération, on est parvenu à finalement à maintenir la précision de notre réseau de neurones tout en réduisant la quantité de calcul nécessaire pour l'embarquer. D'accord? Donc on a gagné ici, donc c'est un cas particulier, mais on a pu gagner ici jusqu'à facteur 10 sans aucun, on va dire, impact majeur sur la précision de l'estimateur. Donc ça, c'est une technologie, un outil qu'on a développé en interne chez Xilinx et qui est disponible dans cette suite de développement VTIS AI. Okay. Alors, si vous étiez intéressé par ces solutions, alors où démarrer, comment démarrer? Alors, le plus simple, de notre point de vue, c'est d'utiliser la solution Docker, qui permet un peu de s'affranchir de toutes ces problématiques de dépendance de librairies, de packages dans le monde Linux. Donc, on fournit des images qui sont prêtes à l'emploi, que vous pouvez cloner, dupliquer, etc. Donc, c'est la solution la plus simple, mais vous pouvez aussi, bien sûr, tout aussi bien installer directement les chaînes de développement directement hein, sur votre PC. Un GPU est généralement nécessaire, bien sûr, pour les phases de training, mais c'est pas obligatoire. Ce que l'on fait également pour que les gens puissent déployer et, on va dire, évaluer nos solutions rapidement, on fournit également des images prêtes à l'emploi, donc des images qui sont constituées à la fois donc, du bitstream, c'est-à-dire du fichier de configuration pour la partie programmable logic, et aussi donc, toute la partie logicielle. Donc, la partie logicielle, généralement, tourne sous Linux. Donc, on fournit le Linux qui est prêt à l'emploi avec son BSP, etc., et toutes les interfaces qui vont bien. Donc, l'utilisateur, lui, peut très facilement charger cette image, faire tourner les réseaux de neurones que l'on a déjà développés, optimisés pour certaines applications, et très facilement modifier le code que l'on fournit et faire tourner ses propres exemples. On fournit également des tutoriels qui sont prêts à l'emploi, qui permettent vraiment là, de démontrer le flow de A à Z, partant du training et toute la chaîne de développement VTIS AI, comme je l'expliquais, quantification, compilation et déploiement sur site jusqu'à la génération donc, de l'image qui va servir au boot de la plateforme SOC. On fournit également donc des exemples plus complexes. Donc on a des exemples où finalement on a une image avec le DPU et on a également d'autres, je veux dire une image seulement avec le coprocesseur et les interfaces vidéo. Mais on a aussi développé d'autres exemples pour lesquels on a des images plus complexes où on a accéléré, comme je vous le disais au début de cette présentation, les phases de pré-processing, donc de remise en forme de l'image, de retailler l'image, etc. Toutes ces étapes peuvent être également accélérées dans la partie FPGA pour améliorer au mieux les performances du système. Et si vous étiez également intéressé par les performances que l'on peut atteindre avec ce type de solution, on a également sur notre site GitHub mis à disposition une quantité de réseaux de neurones prêts à l'emploi, donc optimisés et non optimisés, pour les différentes plateformes que j'ai déjà citées, hein, que ce soit des MPSOG, des cartes Alveo, etc. Donc vous allez retrouver ces différents réseaux qui sont très classiques. Très classique, hein, du ResNet, du YOLO, etc., et pour les différents frameworks. Et vous trouverez donc différentes mesures de performance pour ces réseaux de neurones. Donc, ça va être par exemple le nombre de frames que l'on peut traiter par seconde, également les notions de latence, puisque ça, c'est une des forces également de cette solution matérielle, c'est que comme on peut on va dire tout traité pratiquement à la volée, avec un minimum d'échanges avec la mémoire centrale, on est en mesure de minimiser donc les latences
Et ça, c'est un point qui peut être essentiel pour certains types d'applications. Je pense en particulier à toutes les applications aujourd'hui qui ont attrait au monde automobile avec les fonctions ADAS et voitures autonomes. Ou par exemple, si vous implémentez une application de freinage d'urgence, bon, bien sûr, il faut pouvoir détecter un problème et prendre une décision dans une fenêtre de temps imparti. Et je dirais qu'à ce niveau-là, chaque dizaine ou centaine de microsecondes est critique, puisque ça va influer, bien sûr, sur la distance de freinage de votre véhicule. Donc, c'est pour ça que tous ces chiffres sont publics, hein, ainsi que les réseaux de neurones. Donc, vous pouvez très facilement reproduire ces résultats et les remesurer sur carte. Tout est disponible sur notre GitHub. Okay. Voilà. Donc, écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions en fin de ces différentes sessions, si vous voulez en apprendre plus ou obtenir les liens pour vous documenter sur le sujet, n'hésitez pas à revenir vers moi à la fin de cette session. D'accord. Merci pour votre attention. Merci, monsieur Bacard. Donc,